Christelle. Alors, moi, j'ai un tout petit rôle. Oui, vous avez cinq scènes, vous. J'ai cinq scènes. Je les ai comptées. C'est un premier film. Ouais. Hein? Vous faites beaucoup de premiers films. Oui, oui, oui. C'est parce que Sandrine Bonnaire a dit il ne faut pas faire de premiers films parce que c'est toujours raté. Et vous m'avez répondu, je vous ai dit ça, vous m'avez dit, mais moi je connais des mecs qui font des films depuis 15 ans, ils sont toujours ratés aussi. Ben exactement, et c'est comme les gens qui me disent, mais tu devrais lire le scénario un peu mieux quand même, parce que j'ai pris quelques claques ces deux dernières années. J'en ai pris 7 très sérieuses avec des premiers films, et je continuerai, parce que premier film, ça veut dire un jour peut-être, il y en aura un qui sortira de tout ça. Et les gars me disent toujours, les gars ben, dans ce métier, quoi, ceux qui ont la science infuse. Quoi. Ils disent toujours, mais tu lis pas, tu sais pas lire et tout. Et j'ai dit, dis donc, hein, pépère, si Scorsese demain il te propose un film, tu lui dis, tu veux lire le scénar avant de lui dire oui ou pas? Moi, si je le dis pas à des metteurs en scène dits célèbres, je le ferai pas à un inconnu non plus, quoi. Je prends mes risques, j'ai pris des gros risques d'ailleurs, puisque je tourne plus avec les metteurs en scène dits connus. Pourquoi? Hein, ben, je sais pas, moi, caractère, les 7 échecs des premiers films, j'en sais rien, enfin tout ça. Mais un peu comme les récompenses. Au début, j'ai pris ça très très mal, quoi, le fait de plus tourner dans des films où il y avait des grosses affiches, ainsi de suite. J'ai pris mon orgueil, ma vanité, enfin toutes les conneries, quoi. Et puis, un jour, il y a un mec qui m'a dit, mais t'es le roi des cons, quoi. Hey, tu vis, tu fais des trucs et tout. Vas-y. Et depuis, ça va vraiment très, très bien. Et pourquoi vous ne tournez pas que dans les derniers films. Les derniers films, ils ne sont jamais finis, les derniers films. Merci, Richard. Bon,